Bonjour, c'est Grifax. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait un brisage PA sur une harpelle. Alors, on fera pas de commentaires sur le 2% res node sur 7, hein, c'est un peu technique, mais bon. Alors, c'est encore mon ami Optique qui m'a passé ça. Il le fait dans une optique de brisage, donc je le fais pour lui, évidemment. Alors, le jet visé, c'est idéalement un Overvita de au moins 50. Déjà, rien que ça, c'est un peu technique sur un item à 400, mais bon, admettons. Perf intel, 45 sagesse minimum, perf, 14 soins, tout le reste perf. Voilà, donc on va faire au mieux. Je vous avouerai qu'avec la gueule des Reyneutes, là, ça va être un peu technique, mais bon, écoutez, on va faire au mieux. C'est parti. Ça commence, on va équilibrer déjà les restes qui sont en sujet. Le PA qui tombe direct, bon écoutez, au moins on n'aura pas de mal à compter, hein. On va voir les choses comme il faut. Donc là j'ai 2, on va compter tout le puits, hein, du coup. J'ai 2 plus 2,2 de la vita là, plus 10, moins 6, moins 6, moins 2, plus 94. La Vita va pouvoir se gérer. Je vais devoir over un tel. En vrai, c'est pas trop mal. J'ai presque envie de commencer par la Padocrine. On va avoir peut-être de l'over à faire. Je vais commencer par l'intel. On va faire. En fait, pour la Vita, j'ai deux options. Ah, mais non, il m'a dit la Vita à la fin. Le truc, c'est que. Je peux aller à 83 d'intel et ensuite tenter une pavie. Je vais faire ça, je pense. Déjà, il faut que ça passe. Ok, le crit, ça met bien. On perd 20 de puits là-dessus, c'est vraiment nickel. Est-ce que j'ai quelque chose de plus judicieux que la pavie à mettre? Est-ce que le fait que la pavie passe peut m'embêter? Parce qu'après, moi, la pavie, je peux monter à 346. Ça passe encore. Et ensuite, 396. Je vais lui demander, hein. Pavie ou pas? Si le but c'est de faire un overvita en commande, ben je pense que pavie c'est pas mal. C'est pas comme si on visait vraiment le full perf et 500 vita. Donc ok, il me dit 8 pour la pavie. Hop, ok, cool. Ensuite, il me faudrait un crit de passo, mais bon, c'est un peu technique. Hein. On va y aller tranquille. Par contre, il faut le crit de padocri, je vais le mettre maintenant parce que ça j'en ai besoin. Enfin, crit ou en tout cas, il me faut la rune. Ah, on perd 30, les amis, c'est terrible. Hein. Faut 14 soins, je vais minimiser la variance, je vais pas balancer la passo. Bon ok, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc là en fait j'ai pris 30 de puits pour 3 docris et 10 de puits pour 3 soins. Hein. Voilà, c'est la forge de magie. Voilà, de toute façon c'est la sauce. Hein. Le jet de base était déjà pas très haut. On va voir ce qu'on peut faire, de toute façon les résides il les faut. Donc let's go cliquer. Hein. Moins 18. Ah, j'allais te dire go crit passo. Ouais, mais si ça, c'est typiquement le genre de truc. Quand je le fais, je me fais insulter sur YouTube après. Mais moi, j'avoue, j'aurais fait aussi. Pour moi. Mais bon. Le truc, c'est qu'un crit passo qui passe pas, ouais, c'est juste la fin. Mais. Il me reste 18 là. Attends, il me reste. Non, il me reste 18, j'ai fait moins 18. Non, il me reste 16. 16 de puits, les amis. Compliqué, 16 de puits. Hein. C'est compliqué pour le perf Overvita. Hein. À mon avis, il faut faire deux pavis into Ravi. C'est le mieux, de toute façon, à faire. Ouais, ça aurait pu. Patak en crit, il me dit, bah oui. La bonne idée. Non. Pas de chance, fin de ce brisage. Et peut-être fin de cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.